thank you Salam alaikum Mazoul bonjour. Nous avons appris avec une peine sincère le décès de notre ami Samy un Enfin connaisseur du système algérien, fils cadet du shahid Ali Boumenjil, assassiné par les paras de Osarès Sami a été plusieurs fois l'invité de nos émissions. Il est mort hier, foudroyé par une crise cardiaque à l'âge de 62 ans. Samy vivait en France, mais il était resté chevillé, corps et âme, à la terre-mère, celle pour laquelle son père avait donné sa vie. Malgré l'immense et silencieuse tragédie que vit son pays, qu'il ressentait encore plus douloureusement que d'autres, parce qu'il avait justement su en déchiffrer la terrifiante dérive, il refusait néanmoins, il refusait désespérément de désespérer de son peuple, qu'il aimait et qu'il chérissait. Samy était un homme de cœur, comme on n'en fait plus, comme il en manque cruellement aujourd'hui, en ces heures décisives. Il est parti, Samy. Il ne sera malheureusement pas inhumé là-bas, chez nous, dans l'humus de la terre-mer, là où repose le héros que fut son père. À l'instar de Mohamed Zib, de Sheikh al de Mohamed al et de tant d'autres, ces hommes qui ont tant aimé l'Algérie et dont les dépouilles mortelles reposent loin du pays tant aimé. Samy sera mise en terre vendredi au carré musulman de Puto, en France. Voici pour rappeler son souvenir un court extrait d'une de ses interventions sur le top 3, si la vidéo est prête. Sinon, nous la verrons tout à l'heure. Sami Khoya, rabbi Yerhakmek, puisses-tu trouver la paix éternelle Merci de nous avoir fait l'honneur de ta présence dans nos modestes émissions. Merci à ceux et celles qui nous écoutent d'avoir une pensée pour Sami Bhumanjali et d'invoquer pour lui la miséricorde divine. Merci Sami. Nous allons l'écouter. Nous allons l'écouter. Il semble que nous, nous essaierons de vous le passer en fin d'émission si, si, si nous réussissons à avoir le son. Nous allons donc passer à, à la suite de l'émission. Nous vivons des temps étranges. Nous vivons des temps étranges. Dans le ciel de son histoire, l'Algérie traverse un désert d'interrogations, un immense cirque d'angoisse hérissé de souches mortes où seuls des mirages menteurs surprennent la vue avant de se dissiper et de se dissoudre dans les vapeurs mêmes qui les ont fait naître. Nous vivons une immense désolation peuplée de bêtes féroces leurs griffes d'acier plantées sur la terre-mère, pesant de toute leur masse sur leur proie frémissante, jouissant de sa détresse, de ses dernières pulsions de vie, avant de planter leur crocs dans sa gorge frémissante. Imaginez, imaginez un général qui a hissé sa réputation sur une montagne de cadavres, qui non seulement vous a volé, votre volonté, qui a décidé que vous n'avez pas su choisir vos représentants, qui s'est imposé à vous comme votre propre sauveur, malgré vous et contre vous, qui vous prend votre enfant pour en faire un soldat contre vous, qui vous l'envoie vous, vous tuer au nom de la nation dont il a pris la direction, malgré vous et contre vous et contre votre volonté. Imaginez ce général qui, pendant qu'il lançait vos propres enfants contre vous, les uns contre les autres. Vous volez tout votre pays, ses richesses, ses valeurs et jusque sa dignité. Imaginez que de l'autre côté, un émir tout aussi autoproclamé, tout aussi empli de sa propre vanité, qui s'est investi de la mission de combattre celui qui vous a volé le pouvoir, non pas au nom de la légitimité populaire, mais au nom de Dieu. Imaginez que cet émir tue, cet enfant que le général vous a pris et qu'il a armé contre vous. Imaginez que non seulement il lui ôte personnellement la vie, mais qu'il raconte publiquement comment il l'a égorgé de ses propres mains. Qu'il vous dise publiquement, en faisant comme s'il ne s'en vantait pas, que lorsqu'il le saignait posément, sans se presser, celui-ci pleurait et appelait sa mère, Yima, Yima puis imaginez que pour insuffler encore plus de sens à ce qu'il a commis cet émir finit sa macabre narration en se lissant la barbe en se vantant d'avoir gardé en souvenir la kalachnikov à cet enfant de cet enfant qu'il a égorgé de ses propres mains des mains blanches qui n'ont pas gardé la trace du sang de ses nombreuses victimes puis imaginez qu'en guise de reconnaissance et de repentance, cet homme qui se fait donner du Saïd al-Amir se répande en bénédiction. La voix larmoyante est cassée par l'émotion. Non pas pour sa jeune victime, comme vous pourriez le croire, mais à la mémoire de ce général qui a enrôlé votre enfant pour l'envoyer tuer les enfants de vos compatriotes. La terrifiante morale de cette histoire, vraie, de bout en bout, et que ce général et cet émir sont devenus de bons amis. Des vidéos circulent sur le net où nous les voyons côte à côte déambuler placidement comme des retraités débonnaires des À la mort du général, Yedet el-Amir lui a fait une longue oraison funèbre, jurant que c'était le meilleur des hommes et qu'il avait accompli sept fois le pèlerinage à la Mecque. Pauvre mec, tant étant souillé par tant de meurtriers qui croient se laver de ce qu'ils ont perpétré d'atrocité, juste parce qu'ils ont touché un bloc de pierre. Aujourd'hui, ce général n'est plus, mais il a légué à ses héritiers une fortune inestimable, un trésor arraché à un quart de million de cadavres. Si yadatul Amir pour ce qu'il concerne est devenu un politicien que le chef du gouvernement reçoit avec tout le protocole et tous les honneurs dus aux grandes personnalités politiques. Il le reçoit en grande pompe pour le consulter sur la révision de la loi fondamentale de la nation. Rien que ça, la loi fondamentale de la nation, la Constitution. Les 200 000 victimes de la barbarie des uns et des autres sont morts pour rien. Le petit soldat qui appelait sa mère et celui qui l'a égorgé de ses, de ses mains ne, 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 ne se retrouve plus dans l'histoire. Le, le général qui a envoyé l'enfant et l'égorgeur se sont réconciliés. Ils se sont partagés le butin et sont entrés dans l'histoire qu'ils ont arrangée à leur convenance en s'essuyant les pieds sur son cadavre, sur le cadavre du petit soldat. Personne n'a jamais entendu parler de sa maman que cet enfant appelait quand il était aux portes de la mort, quand l'émir assassin lui renversait la tête en arrière avant de lui trancher la gorge. Vous croyez que c'est un cauchemar Ou peut-être les divulgations débridées d'un journaliste en mal d'imagination Cette histoire est rigoureusement vraie. L'émir qui a rendu un hommage appuyé au général génocidaire a vraiment raconté l'histoire de l'enfant qu'il égorgeait et qui criait ⁇ Yemma, Yemma ⁇ Nous vivons des temps étranges. Un grand cacique du FLN vient de tomber, parti de rien, usant de son seul verbe, celui du mensonge et de la tromperie. Il a frôlé les cimes du pouvoir. Et il a même cru, le temps d'un rêve éveillé, qu'il allait être le roi à la place du roi. Il a cru qu'il allait être admis au cénacle du vrai pouvoir, celui dont usent et abusent ceux qui ont volé les fruits de l'indépendance. Usant de son seul verbe, cet homme, cet homme avait séduit le président de l'époque, celui qui avait détourné le fleuve de l'histoire, celui qui avait posé les fondements du régime qui nous broie et qui nous dévoie jusqu'à cet instant où je vous parle. Cet homme, cet apparatchik, n'avait donc qu'un seul mérite, celui de savoir mentir aux foules hébétées, gavées de promesses et de vent. À son tour, il squatta ce qui fut le prestigieux Evelyn et qui était devenu un repère de maquignons politique boulimiques. Du temps du socialisme taïwan, il nous la joua plus que le tché. Puis quand la girouette changea avec le vent d'ouest, il devint l'ailier droit du libéralisme le plus à droite. Le plus adroit. Il ne cachait plus le luxe inouï dans lequel lui et les siens vivaient, ni même les fortunes colossales qu'ils avaient subtilisées, comme tous ces autres comparses du même caravansérail de nomades idéologiques. Et puis, vers les temps du négoce islamique, ces temps étranges qui résonnaient d'écho d'un autre âge où la foi était livrée en quitte. Avec camis chinois, barbe et ombre synthétique, un kit pour ceux qui se sont engouffrés dans le combat des justes et des purs, et qui, en guise de foi, nous ont vendu de la religiosité jetable et interchangeable. Du jour au lendemain, notre apparatchik entreprit d'islamiser la carcasse décharnée du FLN, de changer la peinture de la façade. Du jour au lendemain, une barbe lui poussa, puis la marque noire sur le front qui distingue ceux qui se prosternent jour et nuit leur vie durant devant le Seigneur. Notre homme avait compris que le seul verbe menteur ne pouvait plus suffire, qu'il lui fallait le barda du parfait islamiste, Taïwan, et qu'il n'avait plus beaucoup de temps pour monter dans le train qui était déjà parti et dont il avait pensé qu'il allait arriver en apothéose à la gare de la victoire. Il n'a joué la carte islamiste que parce qu'il avait la certitude que cette fois-ci aussi, il allait se retrouver parmi les nouveaux maîtres du pays qui allaient balayer ses propres compagnons. Il a donc frotté posément son front sur un tapis de prière rugueux. Il lui a suffi de quelques jours pour arborer une tâche encore plus sombre que celle de ceux qui s'étaient abîmés en prosternation une vie durant. Et ainsi, cet homme, en plus d'être un faux révolutionnaire, un vrai, un vrai profiteur, un vrai riche à milliard, ne se gêna pas d'entrer dans la peau du nationaliste islamiste, particulièrement ombrageux pour ce qui concerne la dignité du pays et surtout la stricte légalité. Il savait que tout le monde savait qu'il n'était qu'un fief menteur, qu'il avait participé activement aux plus grandes fraudes électorales. Qu'il avait menti sans désemparer des décennies durant, qu'il avait mis la main, dans la main dans la poche du peuple, qu'il avait détroussé allègrement, qu'il était malhonnête jusqu'au tréfonds de son âme noire, mais il continue jusqu'à cet instant où je vous parle de nous jouer le rôle du personnage dans lequel il est rentré jusqu'au point d'y croire lui-même. Nous vivons des temps étranges. Vivons des temps étranges. Une nuée d'horreur s'est abattue sur la vallée du Mzab. Cette région autrefois paisible a été transformée en enfer pour ses habitants. Une insécurité terrifiante y règne, une violence programmée délibérément par ceux que cette havre de paix dérangeait, dont l'organisation sociale qui leur échappe les dérangeait au plus haut point. Parce qu'ils veulent tout contrôler, tout pervertir. Alors ils ont semé le chardon dans le cœur des gens qui habitent cette vallée heureuse. Ils ont fait exploser la violence entre deux ethnies qui ont toujours co cohabité un temps soit peu harmonieusement, même si elles sont toujours restées distantes l'une de l'autre. Le crime et la dévastation devinrent le quotidien des habitants de la Pentapole. Sous le regard placide des forces dites de sécurité, des scènes ont même été filmés où nous voyons des policiers protéger des pillards et des incendiaires, et même parfois leur prêter main forte. Ces images eurent un tel retentissement dans tout le pays que le régime en fut gêné. C'était plus qu'il ne pouvait tolérer. Alors, il a décidé de frapper très fort ceux qui osaient filmer et publier de telles scènes. L'occasion finit par se présenter. Réveillé à l'aube, nous allons voir la vidéo. Nous allons voir la vidéo. Donc, réveillé à l'aube par des bruits suspects, Youssef Ouldadda, un habitant de Rardaïa, entre-ouvrit sa fenêtre et vit Trois policiers qui se faufilaient subrepticement dans une ruelle. Gentiment, sans se presser, ils sont chez eux. Ils portent tous les trois des uniformes de policiers. En tout cas, des policiers ou des gens habillés en policiers. Youssef comprit que quelque chose d'anormal se passait. Il prit son téléphone et se mit à filmer les trois individus. Nous allons les voir, ils vont arriver au bout de la ruelle, ils vont s'engouffrer dans un magasin, l'un des trois va sortir à plusieurs reprises, faire le guet, on va bien voir. Voilà, ils sont arrivés au bout de la ruelle. Et, et, je rappelle que c'est le petit matin, c'est l'aube, il n'y a presque personne dans les rues. Il n'y a personne dans les rues. Voilà, ils sont arrivés. Ils s'engouffrent dans le magasin. Les trois vont rentrer. Puis l'un des trois va ressortir pour faire le guet, pour voir s'il n'y a personne. Voilà. Ensuite, ils vont revenir. Ils vont revenir, chargés, les bras chargés, de choses qu'ils ont volées au magasin. Il s'avérera par la suite, et vous pourrez le constater dans la, la suite de cette vidéo qui continue de tourner, que ces policiers, jusqu'à preuve du contraire, puisqu'ils portaient l'uniforme de la police, avaient donc dévalisé un magasin. Voilà. Nous allons, nous allons voir, nous allons les observer. Donc, euh, ce magasin que nous ne voyons pas, mais dans lequel ils sont, ils sont rentrés. Le, 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 le troisième policier est en train de faire le guet et ils vont sortir maintenant, tous les trois. Et voilà, et ils vont venir vers nous. Je laisse l'image parler d'elle-même. Nous faisons exprès de, de vous faire voir toute la scène filmée par Youssef euh, el dedda parce que le, sa condamnation euh, est une injustice historique qui va rentrer dans l'histoire de l'injustice algérienne. Donc euh, nous laissons les gens pour qu'ils puissent apprécier. Et, voilà, là, ils sont croisés par un homme qui passe. Alors, le, la, la vidéo n'est pas passée jusqu'à la fin le, parce que nous voyons à la fin les policiers se rapprocher de très près et nous voyons qu'ils avaient les mains chargées. Hein. Donc le lendemain, la vidéo fut mise en ligne. Elle suscita un buzz. C'était l'occasion qu'attendait le régime. Alors, plutôt que d'ordonner une enquête et tenter d'identifier les individus qui s'étaient livrés à ce cambriolage, la police et la justice décidèrent immédiatement... De sévir contre celui qui avait osé montrer la police algérienne, j'allais dire sous son véritable jour, celui que les Algériens connaissent de toute façon. Euh, je n'insulte pas toute la police, mais les Algériens savent de quoi je parle. Youssef fut donc incarcéré, battu, humilié, torturé, puis condamné à deux ans de prison ferme et à, 10 000 à 100 000 dinars d'amende. Le, le, son avocat nous le dira tout à l'heure, nous confirmera. Ses avocats intergétaires appellent, après quelques mois, la cour d'appel de Radaya confirma la condamnation pour atteinte à l'intérêt national et outrage à corps constitué. Atteinte à l'intérêt national et outrage à corps constitué. Je vous laisse apprécier. Nous vivons des temps étranges. Nous allons devenir des étrangers sur notre terre, dans ce pays que nous chérissons. Ce régime ne connaît plus de retenue. Plus rien ne le rebute. Plus rien ne l'arrête. Nous vivons des temps étranges. Aujourd'hui, le Huffington Post Maghreb, Rardaya Youssef Dadda a été condamné à deux ans de prison ferme en appel pour avoir filmé des policiers voleurs. Le matin, des aides. Le Mozabite Youssef Dadda condamné à deux ans de prison. Le soir d'Algérie, accusé d'avoir filmé des policiers voleurs, Youssef Dadda condamné à deux ans de prison. Avec nous, pour parler de cette injustice hurlante, Maître Salah Dabouz, président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Bonjour, Maître. Bonjour. Alors, j'imagine que je n'ai pas besoin de vous poser une quelconque question et que vous avez des choses à nous dire sur cette désormais historique injustice. Bien sûr. Alors, il y a plusieurs aspects à aborder dans ce dossier. Euh, premièrement, il y a un texte de loi, l'article 96 du Code pénal. Cet article 96 du Code pénal, je peux vous, dire, je peux vous lire son contenu, il oui. dit quiconque distribue, met en vente, expose au regard du, du public ou détient en vue de la distribution, de la vente ou de l'exposition dans un but de propagande de, détract, propagande. Papillons, de nature à nuire à l'intérêt national est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans. Et d'une amende de 20 000 à 100 000 dinars lorsque les tracts, bulletins et papillons sont d'origine ou d'inspiration étrangère, l'emprisonnement peut être porté à cinq ans. Donc, Et puis, les dispositions de l'article 14 peuvent être appliquées, c'est-à-dire euh, certains droits, il peut être privé de certains droits. Bon, alors, cet article, comme il est, eh bien, il est anticonstitutionnel. Tout simplement. Pourquoi Parce que c'est une atteinte à la liberté d'expression. Il ne s'agit pas là de trahison, de ni Il ne de propagande, pas de vente, ni de propagande. D secrète. Oui. Il s'agit d'opinion. C'est-à-dire si vous distribuez, vous mettez en circulation quelque chose qui dérange le régime et que le régime peut estimer contraire aux intérêts nationaux, qui restent une, 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 une quelque chose de très vague et eh bien vous pouvez être condamné c'est cet article qu a, que les juges ont appliqué pour condamner Yusuful Dada Yusuful Dada est accusé je dis il est accusé oui. poursuivi pour avoir non pas filmé mais pour avoir posté oui une vidéo prise par une caméra surveillance. C'est une vidéo prise par une caméra surveillance installée dans un immeuble privé qui ah, appartient à une, association, Donc... à une association qui a filmé des policiers. Donc ce Moi, pas... je dis Pardon, des maître. policiers. Je Pardon, ne dis pas maître. des Pardon. personnes Pardon, euh, habillées en policiers, en uniforme de police. Je dis des policiers. Pourquoi je dis ça Parce que je vais vous montrer un journal

ils étaient soumis à une instruction interne c'est-à-dire ils ne sont pas passés devant la justice Pardon maître mais... pardon excusez-moi de vous ça, interrompre Maître excusez-moi excusez-moi a... excusez de vous interrompre parce que là c'est très important D'abord vous nous dites que il a posté euh, c'est pas moi j'ai dit qu'il a filmé avec son téléphone vous dites qu'il a... c'est une caméra de surveillance ensuite voilà. ensuite vous nous dites que les policiers ont été identifiés Regardez, est-ce que vous, bien. vous voyez bien l'article que je vous montre Montrez-nous, oui voilà, 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 vous voyez, c'est un article qui dit clairement que les, les trois policiers ont été identifiés. Très bien. Très Donc, bien. il y a. Maintenant, on va rétablir les faits. Alors, Yusuf Dada n'a pas filmé, n'a rien filmé. Il est accusé d'avoir posté. D'accord. C'est une caméra-surveillance installée dans une bâtisse qui appartient à une association qui a filmé la scène. Il s'avère que la scène est réelle, l'adresse est réelle. Euh, euh, la vidéo indique une rue, indique que trois policiers sont passés dans cette rue et indique qu'ils sont allés voler dans un magasin. Et donc, l'enquête de la police et l'instruction même de, du juge d'instruction. Puis les, les, les expertises, trois expertises ont été effectuées par la police. C'est-à-dire, ils sont jugés partis, enfin, pas jugés, ils, font, ils sont partis, et puis pour les expertises, ils sont en quelque sorte juges. Alors, toutes ces expertises et l'instruction prouvent une chose, que les faits sont réels et que c'est bien des policiers qui sont passés dans cette rue et qui sont allés dans une bâtisse et qu'ils ont bien volé, et c'est confirmé par cet article de presse que je vous ai montré. Et, et que s'est-il passé pour les policiers Est-ce est qu'ils ont été déférés en justice Est-ce qu'ils ont été sanctionnés Non, ils n'ont pas été déférés en, en justice. Ils ont été, euh, soi-disant, euh, sanctionnés au sein du service de la police. Donc Mais ils ont reconnu qu'ils qu ont volé Oui. Donc il y a reconnaissance que ces policiers ont bien volé, que. Qu'en que, l'occurrence, c'est eux qui devraient être en prison et pas celui qui a diffusé cette vidéo. Exactement. Alors, donc, moi, je vous ai montré un article de presse. Oui. Le même article de presse, on l'a soumis, on l'a versé. Aussi, on donc, en première instance, il a été versé par les, les avocats. Je n'étais pas présent en première instance, moi. Mais en deuxième instance, on l'a confirmé, on l'a reversé, on en a parlé et on a dit que. C'est un journal qui a dit que la direction générale de la, de la sûreté a identifié les trois, les trois policiers et qu'ils étaient soumis à, soumis à une instruction bon, pour avoir volé. C'est écrit comme ça dans le, le pipi. Le parquet général avait déclaré en pleine audience de la cour qu'effectivement une instruction était en cours pour déterminer. Euh, les conditions dans lesquelles ces trois policiers euh, ont fait ce qu'ils ont fait. Donc le euh, parti pardon, maître, avait je me permets... il y avait une instruction en cours. Je, je me permets de vous interrompre encore une fois. Alors, oui. juste pour que le, le téléspectateur, nos téléspectateurs puissent bien suivre. Euh, donc, d'abord, le journal a donné l'info que les policiers ont bien été identifiés. En l'occurrence, il s'agit de Nahar qui ne peut Nahar, pas être suspecté, Nahar, tout le monde peut... sait que le journal Nahar c'est le journal le plus proche des services de sécurité. Parfait, ce que je voulais vous entendre dire. Et donc, et donc, en plus, le fait que la police n'ait pas porté plainte pour diffamation contre ce journal confirme que les faits rapportés par le dit journal sont avérés. Mais mieux que ça. Je vous laisse poursuivre. Mieux suivre. que ça. La vidéo que, euh, que, que, euh, pour laquelle Yusuf El est condamné. Pour avoir, soi-disant, posté cette vidéo. Et moi, je vous signale que Uldada a toujours nié les faits, qui, les faits qui lui sont reprochés. Bon, cette vidéo était diffusée par la chaîne de télé, Nahar. Oh, et on n'a pas voilà. de poursuite contre cette chaîne de télé. Ah eh ben, voilà, voilà. La cerise, Elle la cerise sur le diffusée, gâteau. Et dans cette chaîne de télé, le présentateur avait présenté, il avait dit, trois policiers ont été filmés en train de voler un magasin El Grara. Et la Et... télévision n'a pas été poursuivie Non, pas du tout. C'est hallucinant, c'est complètement alors, hallucinant. Euh, là. Euh, euh, donc, en résumé, pourquoi elle n'a pas été euh, poursuivie Moi, je vous dis, tout simplement. Mais maître, maître ah, expliquez-moi, excusez-moi, vous, vous qui êtes avocat, euh, 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 supposons que c'est Youssef. Ou le Dada qui a diffusé cette vidéo. Euh, elle a été, euh, il l'a diffusée, donc il est condamné. Suffisant que cet article est juste, qu'il repose sur une loi équitable et tout. Euh, mais euh, ceux qui ont relayé l'information, normalement, ils sont condamnés aussi. C'est la même chose. Non, pas du tout. Dites-moi alors. Normalement, ni celui qui a filmé, ni celui qui a posté, ni celui qui a diffusé, ne peut être condamné. Oui. Pourquoi Pour la simple raison... Parce que les faits sont réels. Oui. Non, non, mais j'entends bien. Droit à On ne s'est pas bien compris, j'entends bien. Mais euh, à partir de la justice, à partir du moment où je condamne l'un et que je ne condamne pas l'autre, ça, ça veut dire qu'il y a contradiction flagrante, y compris non. dans leur propre logique. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que Yusuful Dada n'avait même pas reconnu les faits, premièrement. Oui. Oui. Ensuite. Et on a l'instruction comme l'instruction comme l'instruction le, comme, euh, y a, comme euh, les expertises n'ont jamais pu établir un lien entre la source de la vidéo et Wildada, ni entre Wildada et le, le, le point de chute de la vidéo si vous voulez c'est à dire le, 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 le youtube oui. ils n'ont jamais on n'a jamais pu établir un lien entre ces trois trois positions or il y a une chaîne de télé qui a bien diffusé la, 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 la vidéo et qui est bien identifiée, qui, qui a parlé de, euh, de vol par certains policiers d'un magasin à l'Garara. Mais vous, vous ne pensez pas que c'est lui Il n'a pas, a pas celui... reconnu les faits. Et l'instruction et, le, et les expertises n'ont apporté aucun élément pour prouver qu'il y avait, que c'était vraiment lui. Qui a, qui a diffusé cette non, vidéo, maître, a maître, été condamné, maître. mais la chaîne qui est bien identifiée n'a pas été condamnée, et n'a même pas été inquiétée. Mais Ma... le problème, ce n'est pas du tout ça. Oui. Le problème, c'est que l'article 96 du Code pénal, au fait, c'est un article qui est anticonstitutionnel. Pardon, attends, avant, avant d'aborder ce sujet, maître, ouais. normalement, normalement quelqu'un qui diffuse... Une telle vérité de policiers voleurs dans la police elle-même reconnaît que c'est des voleurs. Normalement, il devrait être félicité. Pourquoi le condamner Bien, exactement. Même oui. reconnaît... euh, euh, ben, Je vais vous dire euh, pire que ça. Si vous, si vous, si vous, avez, si vous êtes témoin d'un crime et vous le cachez, vous êtes poursuivi. Voilà. Et donc, ils veulent faire taire les gens. Ils veulent empêcher les gens de diffuser des documents et des vidéos sur les. Bon, dire les, les intentions. Moi, je, vais, je, je suis en train de faire l'analyse de la situation. Les intentions, c'est eux qui connaissent leurs intentions. Moi, je vais dire, je vais faire l'analyse de la situation. Je dis, tout simplement, que Youssef Ouledda a été condamné sans aucun élément de preuve, dans le dossier, en tout cas, ce que nous avons, oui. euh, c'est d'ailleurs ce que nous avons plaidé. Et maintenant, euh, les faits sont réels. Euh, le, le, le useful dada n'a pas reconnu les, les faits qu'on lui a reprochés. Ils, ils se sont euh, on maître, se, on je vais vous demander de se sont basés moi, sur. Excusez-moi, maître. Email. Je vais vous demander Donc, de conclure euh, euh, en une minute parce que nous devons passer quelques extraits de, du défunt Samy Boumenjel. Écoutez, moi je vais ouais. vous dire, je, je vais vous lire pourquoi. Parce que ça, c'est très important pour moi. Vous savez, le... le. le, le il y a le, le traité qui engage l'Algérie au respect des droits de l'homme, le pacte international re, relatif aux droits civils et politiques. Dans l'article 19.2, ça, ça dit « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de, re, de répandre des informations, des idées de toute autre espèce sans considération de frontières sous une forme orale écrite etc donc vous voyez très bien que euh, l'article 96 est non seulement en violation de la constitution qui garantit normalement la liberté d'expression parce que Deda ne l'a fait si les faits euh, qui lui sont reprochés sont à, si ils sont euh, corrects il n'aurait fait que utiliser son droit à la liberté d'expression en répondant une information. Qui est avéré juste et correct. Et quels sont et les donc, derniers recours, donc, donc, Maître? Pour conclure, et d'ailleurs, je maître, profite de maître, pour dire que la Ligue. Maître, je, je, je vous propose de vous inviter à une autre émission pour continuer de parler de ce sujet. Mais en attendant, rapidement, parce que nous devons conclure, est-ce qu'il reste des moyens de recours Oui, il y, y a un pourvoi, il peut faire un pourvoi en, en cassation. Façon, devant la Cour suprême, et vous savez très bien que les, les, les affaires pendantes devant la Cour suprême ne sont traitées qu'au bout de trois ou quatre ans, c'est-à-dire ça sera traité après, après, après qu'il ait expiré sa peine, de, sa peine. De, 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 de deux années. Maître, merci fois. beaucoup, merci, en espérant vous revoir bientôt. Je vous propose de vous inviter une autre fois pour parler encore de cette histoire malheureuse. Nous allons vous, vous passer rapidement quelques courts extraits de feu Sammy Boumengel. C'est ce qui lui manque euh, parce que l'organisation sociale et l'organisation économique, euh, elle, elle, elle est là, elle est latente, puisqu'on euh, euh, on, on a constaté qu'à partir du moment où il y avait un vide, un vide, poli un vide politique et un vide de l'État, il y avait une organisation sociale qui se mettait en place. Et, et après, on appelle ça. Du commun, communautarisme. Alors peut-être, peut-être que ça devient du communautarisme. Euh, il est clair qu'aujourd'hui, il y a euh, une économie parallèle. Il est clair aujourd'hui qu'il y a un fonctionnement qui est aussi à côté de la République, euh, à côté des fondements de la République française. Pourquoi Parce que ce sont des populations qu'on laisse délaisser à elles-mêmes. Hein? Donc, oui. euh, comme on le dit, la vie aussi a horreur du vide et les gens s'organisent comme, comme ils le peuvent. Pour notre ami Samy Boumangel, la direction d'Almar Aribia a décidé d'observer une minute de Doha en sa mémoire. Amin Rabbil Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum.